de venir dans cet univers là qui est l'univers du carré VIP. Alors, il y a un monde de fous, on est très très nombreux. Il fait très frais, hein, Michel? Il fait frais et j'ai un DVD. Je suis contente que France Gall revienne, elle est dans une forme éblouissante là. Hein. C'est ce qu'on se disait aussi, on te voyait, hein, Pierre, très, très absorbé par Duffy. Oui. T'as le rythme dans la peau, toi? Tu sais pas. Si, t'as le rythme dans la peau, Pierre. Vraiment, là, on a hâte de te voir sur le plateau tout à l'heure en train de chanter. Hein. Et vous, dans le public, vous avez envie de retrouver Pierre Palmade? C'est pas flagrant. Ça donne pas forcément envie d'y aller. Alors, on le disait, donc il fait très chaud. Et alors, bah, c'est toi qui en parles le mieux, Michel. Donc, tu as un super éventail ce soir. Oui, c'est un très bel éventail que tout le monde devrait avoir. C'est les enfoirés, on voudrait relancer un petit coup de boost sur la vente des enfoirés. Des albums. Enfin, les enfoirés, on n'est pas à vendre. Parce que déjà, on se voit une fois par an, là maintenant c'est deux fois par an. Ça nous laisse plus beaucoup de temps pour faire des carrières solo. Merci Zazie, donc, Zazie qui nous fait son petit passage. Et Pensez que c'est encore dans les bacs et que, évidemment, ça sert toujours la cause. Et oui, parce que vous les reconnaissez, hein, évidemment, forcément, tout autour de moi. Ça fait presque 20 ans maintenant hein, qu'ils font appel à nos cœurs et à nos dons. Alors, les enfoirés sont hors compétition ce soir, mais ils sont avec nous ici, dans les coulisses, sur scène dans un instant. Et dans ces images, regardez les grandes aventures, et notamment celle de cette année, de ces sacrés nécessaires enfoirés. Regardez. VIP, on est là, tranquillement installé, et ça papote, vous ne pouvez pas savoir. Donc on est avec Pauline, avec Jennifer, Shérifa, Luna et Thomas Dutronc. Alors Thomas, tu avais une idée incroyable il y a à peine deux minutes. Oui, ben, je proposais que là, c'est une contre-soirée où on va élire finalement les plus belles jambes donc, de la soirée. Donc vous êtes les bienvenus, hein, la compétition est ouverte. Voilà. Voilà, j'ai placé ma blague. Il aime les frites et les belles jambes également. Alors, Jennifer, vous parliez toutes les deux avec Shérifa Luna du plaisir du direct et puis surtout du plaisir de la scène. Hein, et le direct, alors comme ça, ce soir sur un plateau comme le nôtre. C'est toujours aussi impressionnant, voilà. Mais c'est un plateau très sympa, voilà. C'est un plateau sympa, les amis du public. Hein, on va vous rejoindre dans quelques instants. Pauline, tu es hors compétition ce soir? Et tu vas bientôt y aller dans quelques minutes. Alors, ça te fait quel effet de venir sur un plateau comme celui-ci? J'adore, je trouve que c'est un super plateau. Et puis, moi, si je pouvais, je voterais pour tout le monde. Je peux pas, mais votez pour tout le monde. Votez pour tout le monde. D'ailleurs, ce soir, je vous rappelle que vous pouvez gagner en votant jusqu'à 10 000 euros. Shérifa, toi qui es passée, qu'est-ce que tu peux dire à Pauline de l'ambiance qui règne ce soir dans l'émission? Bah, franchement, je suis très impressionnée, par contre. Parce que c'est vrai qu'en live, comme ça, en direct... Ouais, c'est un peu la panique, mais ouais, c'était cool. Un bon public, oui, en plus. Oui. Donc ça s'est très bien passé. Et alors, si Thomas Dutronc, je ne sais pas ce que vous en pensez, nous on est en train de lui montrer nos jambes, on n'avait pas prévu. Si Thomas nous faisait un petit peu de guitare ce soir, nous on serait ravis, n'est-ce pas les filles? Oh oui, s'il te plaît Thomas. Allez. Alors attends, il faut que j'approche mon micro, c'est ça? Ou Shérifa, tu le fais? Et c'est sur cette jolie musique, continue Thomas, que je vais maintenant vous annoncer que grâce à des dons de voyance, certains, je peux le prédire, seront peut-être les succès de l'année prochaine. Oh, c'est un univers incroyable. Hein. Si, il me suffit de tendre l'oreille et je sais reconnaître le tube, alors je vais vous le prouver. Voici hors compétition ce soir les succès de demain. Thomas Hergé, Louisie Joseph et Quentin Mossiman, le grand gagnant de la Starac 7. Merci Thomas, les voici.